Je pense que ça nous a poussé jusqu'au bout. Qu'est-ce qui a bien marché ce soir face à la Hongrie? Je pense qu'on a, bien tenu, on a joué physique, on a eu nos chances, puis on nous a mis au fond. Je pense que c'est ça qui nous a permis d'avoir du succès ce soir. Qu'est-ce que vous avez pensé de la Hongrie? Je pense que c'était un beau collectif aussi. Elles ont été rapides sur les rushs, les transitions. On savait qu'elles allaient nous prendre sur des contre-attaques. C'est sûr que c'est à nous d'être encore plus solides défensivement pour éviter ce genre d'action. Oui, l'important, ce tournoi pour préparer les mondiaux, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est le dernier tournoi avant les championnats du monde, donc pour nous c'est le dernier réglage. Donc c'est sûr que cette victoire, elle fait plaisir. Et puis on va continuer de travailler dans cette direction. Poisson prêt à pousser, vous l'avez dit, avec ces 1000 spectateurs, on sent que c'est une ville de hockey. Ah oui, c'est exceptionnel l'atmosphère. Quand on est rentré sur la glace, c'est tout de suite, on a senti l'engouement qu'il y avait dans cette patinoire et je pense que c'est très agréable. Personnellement, ça s'est bien passé ce soir. Oui, je pense. Ils continuent, on les entend, ils continuent à chanter. Vous jouez dans quel club? Je joue à Modo, hockey en Suède. Il faut vraiment s'expatrier pour trouver un niveau correct dans le hockey féminin? Non, pas forcément. Pour moi, ça a été un choix personnel. Les pays de prédilection du hockey féminin? On a des joueuses qui jouent au Canada, États-Unis, Suède, Suisse, on en a un peu partout, donc je pense que c'est ça. On va suite demain pour continuer à hausser le niveau. C'est ça, on va être là demain et un gros match nous attend contre la Norvège. On va faire ce qu'il faut. C'est une des favorites, la Norvège, ou pas? C'est une équipe qu'on joue souvent, donc c'est sûr que c'est...